Hey, bonsoir à tous, je vous retrouve assez tard avec cette coucou. Petite princesse d'amour. Coucou mon cœur. Non. Ça va maman? Non. T'as passé l'après-midi avec papa? Non. Si. Avec papa. Oui, avec papa. Mais t'as fait non. La sieste. Après t'as joué avec papa. Oui. Oui. Et après, vous avez fait quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre avec papa? Déjà? Ça veut dire lâche-moi. Déjà? Non, mais t'as pas assez parlé avec eux, ça fait longtemps qu'ils te voient pas mais beaucoup. Mais non. Mais pourquoi? C'est quoi ça? Papa. 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 Du coup, on... Attends. Fais-moi bisous. Fais-moi maha. Elle est vilaine. Vilaine, papa. Mimi. T'es vilaine. Fais-moi bisous. Miaou. T'avais vu la tête qu'elle fait? Miaou. Elle est méchante. T'es méchante. Miaou. Comment elle a fait? Non. T'es méchante. Coco. Elle est là, cocotée. Elle est là. Coco. Là. Tu vois? T'es méchante, Mimi. Tu veux pas faire bisous à maman? Pourquoi? Ici. On comprend pas encore tout ce qu'elle dit, hein. Mais non. En général, je comprends, mais pas tout le temps. Et si vous quoi? Ouais. Non, mais ne me mets pas des tampons partout, chérie. Après, pour les enlever, c'est chiant. Une femme l'a mis là, au milieu du front, et en plus le orange comme ça là, ça faisait une tache, ça voulait pas partir. Enfin bref, donc ouais, on a passé la matinée ensemble et tout, et après, son papa s'est réveillé. On a mangé et tout. Et après, moi, je suis partie voir Sally. Après, je suis partie au code. Et là, on est rentré avec Sally à la maison. Oui, Sally, elle est dans la chambre. Et en fait, là, je fais à manger. Donc là, j'ai pris le gros couvercle. Et toujours avec ma fauteuil. Franchement, elle est top. Voilà. Donc là, je fais... poulet mariné. Par contre, la marinade, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est, je l'achète comme ça chez le boucher, en fait. Et après, une fois ça sera cuit, je rajouterai les pommes comme ça à la poêle. Et là, j'ai mis aucune matière grasse. Hein. Il n'y a vraiment aucune matière grasse. Là, c'est vraiment que le poulet mariné. Et je vais rajouter les pommes rissolées, je crois. Non, les pommes rustiques. Ouais, c'est des pommes rissolées. Donc je les rajoute dedans pour tout faire cuire ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est suffisant pour nous ce soir. Peut-être avec ça, je vais faire une petite salade. J'ai trop envie d'une salade. Et j'ai la main qui tremble. C'est un truc de fou. La main droite qui tremble. Quand je fais ça, ça va. Mais dès que je tiens quelque chose avec, elle tremble, je sais pas pourquoi. C'est la touffe qu'elle a. C'est quoi cette touffe? Mais elle a ça. Ça. Au revoir. Adieu. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais maman, j'arrive pas à tenir avec. Elle tremble vraiment, mais genre comme ça. J'arrive pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, c'est cette main-là que j'ai cassée auparavant. C'est pas celle-ci, hein. Enfin, bref. Donc voilà, ça a été une petite journée tranquille. Aujourd'hui pour moi, hier pour vous, je ne vous ai pas posté de vidéo.
pour l'unique raison que, en fait, la vidéo de samedi, normalement, elle était censée sortir lundi. Et je me suis trompée. En fait, je voulais poster dimanche. Donc, ce qui fait que, bah, comme dimanche, je filme pas, bah, du coup, vous aviez pas de vidéo pour lundi. En fait, j'ai juste inversé entre le dimanche et le lundi. C'est tout. Mais du coup, pour vous, ça change pas grand-chose. Mais à part que vous avez vu la vidéo un jour avant. Voilà. Parce que je fais le montage toujours le samedi, je la prépare et tout. Comme ça, lundi, juste à la mettre en ligne, en fait. Parce qu'en fait, je l'envoie sur YouTube et tout. Je fais tout. Juste, je la mets en privé. Et du coup, lundi, je la mets en public. Et en fait, je sais pas pourquoi, dimanche, je me suis levée l'habitude. Du coup, bah, je l'ai mis en public. Mais du coup, c'est pour ça. Mais sinon, ça reprendra le cours. Hein. Dimanche, pas de vidéo. Et lundi, il y a une vidéo. Mais là, franchement, j'étais ailleurs. Enfin bref. Oh, je suis crevée. Bonjour. Mercredi, Rachid m'a dit il garde la petite le matin et moi, je vais pouvoir faire une petite grasse mat. Ça fait... Avant, régulièrement, de temps en temps, il me le faisait. Il prenait la petite le matin, il me laissait dormir. Mais ça fait un moment on l'a pas fait. Du coup, il m'a dit mercredi, je te la garde et du coup, fais ta grasse mat. Donc, ça va me faire du bien. Ça fait tellement longtemps que j'en ai vraiment besoin là. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai tout à l'heure, bisous. Tu vas faire quoi avec ton chocolat là? Mimi! Regarde maman! Oh! Oh, Koukouya, t'as mangé Koukouya? On va aller dans le bain? Oui? Tu vas faire le bain? Oh, le petit crado! Papa, il a donné Koukouya à Mimi? Non. Oui, il a donné Koukouya à Mimi. On va faire la douche, mon cœur. Le bain? Ouais? Je t'aime! À bain! Dis-moi, je t'aime. Attends. Attends. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous. J'ai un bébé qui est lavé, tout propre. Coco, je vais attacher. Parce qu'on va manger. Oui? T'es belle. T'es trop belle. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai fait son bain. Et là, en fait, je suis en train de faire... Donc là, je suis en train de faire des crêpes. Pour le dîner de ce soir, ça fait longtemps, je fais des crêpes salées. Puis après, si elle a envie, je lui fais des crêpes au Nutella. Mais généralement, c'est pas son truc, elle mange les crêpes salées. Mais c'est vrai que le Nutella, c'est pas son... Pourtant, elle kiffe le chocolat. Coucou. Et du coup, une fois que je la mets à dormir, moi, je vais faire mon masque pour les cheveux. Oui. Je vais me faire mon masque. Oh, je vais tomber! Je vais me faire mon masque pour les cheveux et puis je vais aller me faire ma douche. Non, coucou tout le monde. Coucou tout. Allez, laisse maman finir de faire à manger, chérie. Lève-toi. Bisous. Oui. Donc voilà le programme. Bon bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Hey, bonsoir à tous. On se retrouve. Ce soir, il doit être 2h du matin. Oui. Donc là, j'ai fait ma douche et j'ai fait poser le masque de chez Sepho pour les cheveux. C'est celui-ci. Ça a l'huile de coco, au beurre de coco, enfin bref, ça a la coco quoi. Et du coup, je l'ai fait poser. Eux, ils préconisent de le laisser toute la nuit. Moi, je... Alors, tout ce qui est masque pour visage, tout ça, je peux laisser autant de temps que qu'ils veulent. Mais alors, masque pour les cheveux, ça a commencé à me donner des migraines. Je ne supporte pas. Et en plus, vous devez mettre une charlotte. Et
elle me serrait un petit peu et j'ai eu une migraine mais insupportable. Donc pour dire que moi les Doliprane, je les prends tellement souvent qu'ils font pas du tout effet sur moi. Donc en fait ils me servent à rien. Donc mais je les prends quand même parce que c'est le seul truc que voilà. Mais le seul truc qui peut marcher en fait, c'est éteindre les lumières et ne pas avoir de bruit du tout. Et au bout d'un moment ça passe, mais c'est juste insupportable. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne pouvais pas garder le masque parce que je commençais déjà à avoir une grosse migraine. Donc je l'ai laissé poser une heure quand même et après j'ai été me laver mes cheveux. Donc je me suis mis le shampoing bleu violet là pour les reflets jaunes. Et ensuite j'ai quand même mis mon shampoing L'Oréal par dessus, super hydratant. J'ai mis l'après-shampoing et j'ai mis le masque. Et du coup là ils sont super doux. Donc moi je les laisse sécher à l'air libre pour éviter encore de les abîmer encore plus. Donc voilà. Aujourd'hui j'étais à l'auto-école, je suis contente, j'ai fait 6 fautes. Donc ça commence à avancer avec la lecture du livre, en fait ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai qu'au départ je voulais pas lire parce que je déteste lire. Et en fait moi je suis pas du tout quelqu'un théorique, je suis plutôt quelqu'un pratique en fait. Dans toute ma jeunesse, depuis toujours en fait, je suis très manuelle, c'est-à-dire que je fais tout avec mes mains. Et question pratique, en fait, j'apprends pas du par cœur. Et d'ailleurs, j'ai toujours été forte à l'école en maths. J'ai toujours eu 19, 20. La moyenne la plus basse que j'ai eue dans ma scolarité en maths, ça a été un 15. Et quand j'avais 15, pour moi, c'était horrible parce que c'était pas du tout bon. Mais voilà, j'ai toujours été forte en physique, en maths, dans tout ce qui était réflexion et dans tout ce qui était... faire appel à mon cerveau en fait et non pas apprendre du par cœur bêtement, je déteste ça. Mais là une abonnée m'a dit en fait qu'elle a eu très rapidement son code mais qu'elle a dû lire le livre. Mon mari m'a dit la même chose parce qu'il m'a dit que moi lui quand il a passé son code, il avait lu le livre entièrement. Et puis la fille de l'auto-école, la dame qui tient l'auto-école, pareil, elle m'a dit franchement, tu dois le lire si tu veux. Elle me dit, tu peux le passer sans, mais tu vas mettre 6 mois. Alors que si tu lis en un mois, c'est réglé, c'est bon. Et c'est vrai que depuis que je commence à lire le livre, bon, j'ai pas lu entièrement le livre, je suis même pas à la moitié. Mais il y a beaucoup de choses en fait que j'ai appris. Et du coup, maintenant à l'auto-école, quand j'ai ce genre de questions, je sais quoi répondre. Et ce qui fait que je fais beaucoup moins de fautes. Faut savoir que avant de commencer à lire le livre, je faisais des 13-14 fautes. Et après avoir lu quelques pages du livre, je fais des 6 fautes. Donc c'est que le livre, il est vraiment bénéfique. Donc pour celles qui passent le code, je vous le conseille vraiment de lire le livre. Il est vraiment utile. Et non pas inutile comme je le pensais. Et du coup, demain, je ne vais pas au code parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans des vlogs. Mais s'il y a des nouvelles personnes, en fait, nous, le mercredi, en fait, c'est comme un dimanche. Nous, le mercredi, c'est une journée en famille. On sort la petite, on l'emmène faire des activités. Ou comme on a un pass pour le Royal Kids, on lui avait pris, je crois, 15 places ou quelque chose comme ça, 10 places, un truc comme ça. Du coup, demain, on va l'emmener au Royal Kids l'après-midi. Demain matin, j'espère qu'ils vont venir tôt parce qu'en fait, c'est entre 8h et 16h. Ils doivent passer pour nous mettre les compteurs pour l'eau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent énormément d'eau et ça leur revient cher. Donc, ce qui fait que maintenant, ils veulent nous mettre des compteurs comme ça, chacun paye ce qu'il dépense. Donc, moi, je m'inquiète pas trop parce qu'on n'est que 2 plus la petite 3. Donc, la petite, elle fait des bains, mais les bains sont jamais très remplis. Hein. Et puis, nous, on fait des douches très rapides. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. Et du coup, voilà. Donc, mais le problème, c'est que, comme par hasard, c'est demain et j'ai peur qu'ils nous bloquent la journée pour rien. Donc, j'espère qu'ils passent tôt. Et du coup, rentrer et demain, on va se commander à manger, se mettre devant un bon film sur Netflix et puis manger en famille. Passer vraiment la journée en famille, c'est vraiment un jour off, un jour où on le passe tous ensemble et on profite. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. De toute façon, je vous embarquerai avec moi dans ma journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.